De sa source sur le territoire de Mouthe, village le plus froid de France, le Doubs s'écoule sur 450 km pour rejoindre la Saône à Verdun-sur-le-Doubs. Après avoir subi un dénivelé de plus de 750 mètres, le Doubs figure ainsi parmi les cours d'eau les plus longs et plus puissants du bassin du Rhône, au même titre que l'Isère et la Durance. Il draine un vaste bassin hydrographique de 7700 km², dont la majeure partie se situe en montagne. Dans sa partie supérieure, il emprunte via Pontarlier une vallée étroite et encaissée, caractérisée par la présence de plusieurs barrages hydroélectriques. Après son saut emblématique à Villers-le-Lac, le Doubs s'écoule sur 78 km le long de la frontière, puis en territoire suisse. De retour en France, il se conforte avec l'apport de ses affluents. Dans sa partie supérieure, le sous-sol est très calcaire et a donné naissance à un important réseau karstique avec gouffres et grottes multiples. Peu visible en surface, l'eau traverse ce territoire par des centaines de kilomètres de galeries en ressortant au gré de résurgences. De Montbéliard à Choisé, le Doubs a été rendu navigable à la fin du 19e siècle avec la création de nombreux ouvrages, seuils, écluses et tunnels matérialisant l'axe de communication, Saône-Rhin avec trois pôles de développement importants, Montbéliard, Besançon et Dole. Enfin, il termine son parcours par la basse vallée aux caractéristiques bien spécifiques en accueillant la Loue, l'Aurin et la Guyotte, laissant libre cours à ses eaux avant de rejoindre la Saône. Dans un gigantesque cône alluvial constitué de galets et graviers, le Doubs dépense l'énergie accumulée dans les montagnes. Son lit, qui a constamment évolué au fil du temps pour prendre son tracé actuel, se tord en de nombreux méandres, traduisant une dynamique fluviale intense. La basse vallée est ainsi un territoire aux multiples enjeux, caractérisé par ses crues fréquentes, sa richesse écologique, ses terres fertiles et une forte identité à conforter. Les crues sont fréquentes et fortement influencées par celles de la Loue. Le débit moyen du Doubs est de 180 mètres cubes par seconde à Neblanc. Il a atteint 2250 mètres cubes par seconde lors des crues de 1910 et de 1955. La crue de 1840 avait détruit 300 maisons entre Navilly et Verjus. Les villages de cette basse vallée sont considérés comme fortement vulnérables. Afin d'éviter la perte des habitations et des récoltes, les populations se sont protégées des crues. Dès le XIVe siècle, des digues sont édifiées.
19e et 20e siècles, le cours d'eau est en partie rectifié, avec des méandres recoupés et certaines berges enrochées afin de réduire la sinuosité de la rivière et de concentrer les écoulements. Une vaste zone d'interdigue a été toutefois préservée pour permettre à la rivière sa divagation. Le fonctionnement hydrologique et morphologique du Doubs est à l'origine de la grande diversité des milieux naturels tels que les grèves, prairies humides, forêts alluviales, berges et bras morts abritant ainsi une faune et une flore très riches. Les grèves sont le refuge et le lieu de reproduction de plusieurs espèces d'oiseaux nichant à même le sol et très sensibles aux perturbations. Dans les berges érodées, nichent de nombreux oiseaux tels que le guêpier d'Europe, l'hirondelle de rivage et le martin pêcheur qui creuse de multiples terriers dans les berges sablonneuses pour s'y reproduire. Les bras morts du Doubs abritent une végétation typique des eaux calmes, constituée de roseaux ou de nénuphars, fréquentés notamment par le héron pourpré, le blond jaunin et le busard des roseaux. Ils constituent également d'excellentes frayères pour le brochet. Les prairies, entretenues et valorisées par l'élevage bovin, sont marquées par la présence du saule têtard qui demeure un élément caractéristique du paysage. Elles accueillent également le courlis cendré et le râle déjeuner. Les forêts alluviales stabilisent les berges et abritent des espèces remarquables. Les plus chanceux auront l'occasion d'apercevoir la très rare gorge bleue à miroir blanc, le héron bihoreau gris ou le castor qui fait son retour en attendant peut-être la loutre qui a disparu depuis plusieurs décennies. Ces richesses ont justifié la mise en place, sur ce territoire, d'importantes mesures de classement. La basse vallée du Doubs est caractérisée par les terres fertiles du Finage, permettant le développement d'une agriculture dynamique au rendement élevé. La céréaliculture domine dans les zones les plus éloignées de la rivière, protégées des crues par les digues. Plus récemment, les cultures légumières se sont accrues et l'élevage, encore bien présent, reste souvent cantonné dans l'espace interdigue à proximité de la rivière. L'agriculture est encore à ce jour le poumon économique des 35 communes de cette basse vallée. La vallée du Doubs a toujours été un axe de communication important et un lieu de vie pour les populations qui jouissaient déjà de ses richesses. 42 000 habitants font aujourd'hui vivre cette vallée dont l'identité est liée à la présence de la rivière et aux pôles urbains et économiques qui se sont développés à proximité. Son évolution au plan environnemental au cours du siècle dernier a été fortement liée à d'importants programmes d'aménagement, modifiant ainsi son fonctionnement. La basse vallée du Doubs reste cependant l'un des sites les plus intéressants de France et d'Europe quant à sa dynamique alluviale et à sa richesse écologique. Les initiatives de préservation développées depuis plusieurs années devront se poursuivre dans le cadre d'un plan de gestion cohérent permettant de mieux protéger et sécuriser les populations face aux crues tout en intégrant les enjeux de biodiversité présents sur le territoire. Ce défi nécessite la participation de tous.